Putain, ça démarre pas, démarre pas! Putain, le plomb là! De nombreux affrontements ont lieu entre les pro-Le Pen et les anti-Le Pen dans plusieurs villes de France. La police est complètement dépassée par les émeutes. L'armée prend la relève. La présidente appelle à une restriction ferme. L'armée qui aborde des drapeaux nazis a abattu plusieurs personnes. Plusieurs familles d'immigrés ont été abattues place de la République. Attentat à la bombe à l'Elysée. Si vous le pouvez, quittez ce pays par la mer. Les routes principales sont contrôlées par plusieurs groupes de nazis armés. Ils tirent à vue d'œil. Cachez-vous. Ça a l'air calme ici. Pas de danger là ? Attends, je vérifie. Voilà. Pas de danger. Et toi, pas de danger ? Attends, je vérifie. Y'a quelqu'un ? Alors ? Pas de danger. Ok. Putain, ça fait deux jours qu'on marche, j'en peux plus. Putain de marine de merde, elle a niqué notre vie là, putain! Frère, ça sert à rien de s'énerver comme toi. Pourquoi on est pas allé voter, frère? On aurait dû aller voter, on est là, on se fait courser par des fous là! De toute façon, c'était obligé que ça allait partir en couille. Mais frère, je t'ai pas raconté toi. Tu sais le jour où elle a été élue, Marine? Ouais? J'étais dans mon salon. Cocktail Molotov dans le salon, directement, je te jure. Et là, la barbe de mon père, elle a commencé à prendre feu. Non. Tête de ma mère. Au début, je rigolais, après j'ai vu, il avait mal, je fais non, c'est bon, j'arrête, tu vois. Ouais, après, je fais mes skins et tout, bon. Et la barbe disparition. Tu sais, mon père, il est imam, Jérémy. Ouais. Du coup, un imam sans barbe, frère, franchement, c'est chelou. C'est pas stylé. C'est pas stylé, tu vois ce que tu dis? On n'y croit pas. On n'y croit pas? Non. Il ne vient pas me dire à la wokbar. Il m'a dit, ouais, la wokbar, j'ai dit non. À la wokbar. Sans barbe. Bref, et là, qu'est-ce qui se passe, frère? Hein, il rentre partout, les mecs, ils défoncent tout dans l'appartement. Non. C'est un tas de merde. Putain. Comme mon père, il a pas de barbe, je te cache pas, on dirait un petit peu un nazi. Oh. Et frère, un nazi de ouf, du coup, lui, il est malin. Ouais, il est malin. Mon père, c'est un malin. Il est rusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fondu dans la masse. Genre, c'est un nazi, lui aussi. Non. Je te jure, les gens, ils l'ont cru parce que mon père, il parle allemand. Tu sais, il se met avec eux, genre, eux, ils le prennent pour un allemand, tac, tac. Même moi, au début, je dis, papa, je l'ai une heure, tu sais, c'est. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh, mon père, il nous a trahis. Ma mère, ma soeur, tout le monde, il nous a chassés d'appartement, alors normal. Le bâtard. Bâtard, oui et non, c'est le game, frère, tu vois, c'est comme ça, si j'avais une tête de nazi, moi aussi, tu vois. Toi, dommage que quand tu traces, t'es juste tunisien, mais moche. T'as vu ou pas? Et toi, c'est passé comment, du coup? Tu vois, quand ils ont annoncé qu'elle avait gagné. Qui? Marine. Ah bah oui, Marine. J'étais pas devant la télé, je descendais mes poubelles, parce que c'était un dimanche. Ouais. Et comme tu le sais, moi, le dimanche, j'adore descendre mes poubelles de canettes vides. Ouais. Et là, je vois quoi? Les poubelles pour le plastique et les poubelles pour les canettes en feu. Non! Avec à côté un mec avec habillé tout en blanc comme ça et une cagoule avec deux trous comme ça pour les yeux, comme le Ku Klux Klan. T'as fait quoi, toi? Bah, j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai mis mes canettes dans la poubelle en plastique. Non! Mais non, Jérém, putain, non! On avait dit pas ça! Putain, le monde, il va déjà pas assez mal comme ça, merde! Je sais, mais j'ai paniqué, frère. Ah, tu me déçois, putain! Ah, merde! Ah, c'est con, c'est vraiment con, ça! Non, c'est pas grave, ça. Si. Danger! 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 C'est sécurisé! 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 Sécurité, sécurité. Putain, j'en ai marre, il faut vraiment qu'on trouve des munitions. J'en ai marre de viser pour rien. Frère, je crois que j'ai une idée. Ça marche pas, frère. Hey, je peux te poser une question? Bah oui. Ça fait plusieurs jours qu'on marche. T'imagines, genre, y a plus que nous deux. Genre, plus de meufs. Genre, plus de meufs? Ouais, genre, plus de meufs. Genre, zéro meuf. Zéro meuf. Zéro meuf. Ouais. Parce que genre, toi et moi, t'auras envie, genre... Genre on se met bien? Ouais. Danger! T'as envie de m'enculer, sale bâtard! C'est toi, t'as vu comment tu me regardes? N'importe quoi, tu crois que je t'ai pas grillé, je sais que tu me regardes dormir la nuit! Oui, c'est vrai, mais ça c'est parce que t'es mignon quand tu dors, ça a rien à voir! Eh, toi, tu crois que je t'ai pas grillé, toi? Hein? De quoi tu me poses des questions? Pour mieux me connaître, pour apprendre à me séduire? Si j'essaie d'apprendre à te connaître, c'est parce que tu as l'air d'un garçon intéressant! Merci! Je m'en fous si t'es gay, mais tu dois respecter mon orientation sexuelle, hétérosexuelle! Et bah, moi aussi, si t'as fait t'es gay, je m'en fous aussi, hein! Moi j'aime les filles, ok? Ok! Ok! C'est sécurisé? C'est sécurisé. Sécurisé. On est trop tendu là. Je croyais vous qu'on se détend, frère. Oh, on en a besoin.
never feel like I did that day. But take me to a place I love. Take me all the way. But that is what I wanna feel. Danger. Danger. Danger, danger. Danger, là. Danger. Qu'est-ce qu'on a là? Des petites bitches? Je sens qu'on va s'amuser. Et abonne-toi à la chaîne du Whoop! Plus d'informations sur la page Facebook du Whoop, mais également sur l'application smartphone.